Derrière son sourire ravageur, Tomer Sisley cache une profonde blessure. Celui qui est à l'affiche de la série Vortex, diffusée ce lundi 16 janvier sur France 2, ne garde pas d'excellents souvenirs de son enfance en Allemagne. Alors qu'il grandissait auprès de ses deux parents chercheurs en dermatologie à Berlin, le comédien a dû surmonter le départ soudain de son père. Ayant l'opportunité de travailler pour L'Oréal, ce dernier est parti dans le sud de la France. Un déménagement qui n'a pas seulement été motivé pour des raisons professionnelles. En effet, les parents de Tomer Sisley avaient décidé de se séparer. Une rupture qui n'a jamais été verbalisée par l'un de ses deux parents, comme le révélait Tomer Sisley sur le plateau de l'émission Folie Passagère en janvier 2016. L'idée c'était que lui, il parte, qu'il s'installe, qu'il prenne un appartement et qu'on le rejoigne. A-t-il révélé avec une certaine émotion. Avant de poursuivre, l'un et l'autre n'ont jamais prononcé cette phrase de « on est séparés ». J'ai grandi avec cette idée de « on va se retrouver », on m'a menti toute mon enfance. Peu à peu, le jeune Tomer Sisley avait relevé tous les indices qui indiquaient que ses parents avaient décidé de prendre des chemins différents. À la suite de cette séparation, Tomer Sisley est d'abord resté un temps en Allemagne aux côtés de sa mère. Une période au cours de laquelle le héros de la série Balthazar a cruellement manqué d'amour, comme il le confiait à nos confrères de Nice Matin, en juillet 2022. Je suis d'abord resté avec une maman qui n'était pas faite pour être mère, a affirmé celui qui a pu compter sur son père, venu, le, récupérer pour, elle, élever tout seul en France et tout, lui, donner. Reconnaissant, le comédien et humoriste a assuré que peu de pères auraient fait ça pour leur fils. Le duo a ainsi vécu sur la Côte d'Azur et l'enfant qu'il était a pu avoir une enfance heureuse et sportive. Tomer Sisley, ses confidences bouleversantes sur sa mère en faisant le choix de vivre avec son père, Tomer Sisley a vécu une vraie rupture avec sa mère. Dans une interview accordée à nos confrères de Paris Match, en novembre 2020, le père de famille se livrait sans tabou sur sa relation avec sa mère. Ma mère? Il lui manquait le gène de la maternité. A-t-il confié sans langue de bois? Et d'ajouter, d'origine yéménite, elle cousait ses propres vêtements, parlait très mal allemand. J'ai développé une forme de honte, comme le font parfois les enfants qui ont le sentiment d'être ostracisés. En 2013, auprès de nos confrères du quotidien Le Matin, il s'était déjà livré sur ses rapports compliqués avec sa mère, qui ne, lui, disait, t'es, pas je t'aime. Je n'ai pas eu la mère la plus exceptionnelle, reconnaissait-il avec sincérité. Crédit photo, Coadic Guirec.